Monsieur, monsieur, bonsoir et merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. Nous prenons encore la direction de la Chine où séjourne le président du Faso avec une forte délégation burkinabé. Rochmar Christian Kabore a eu une séance de travail avec le premier ministre chinois. Le partenariat avec l'Empire du Milieu se veut très solide avec l'inauguration aujourd'hui même de l'ambassade du Burkina à Beijing. C'est un acte fort dans le processus de reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. De la diplomatie, on va dans les champs pour prendre le pouls de la campagne agricole dans la région du sud-ouest, dans les provinces du Pouni et du Noumbiel. La saison est prometteuse, le maïs se récolte dans certaines localités. Cependant, cette spéculation la plus cultivée dans la zone est une fois de plus confrontée à l'attaque des chenilles légionnaires. Les autres spéculations comme le riz, le manioc ou encore l'igname présentent une très bonne physionomie. Au Sahel, le gouvernement veut maîtriser davantage la démographie. Le taux d'enregistrement des naissances dans cette zone est très faible. C'est pourquoi la Direction générale de la modernisation de l'état civil a organisé un atelier à Dori le vendredi dernier pour encourager l'établissement des actes de naissance. La rencontre était aussi dirigée vers les maires de la région du Sahel, auquel il a été demandé la création de centres secondaires d'état civil afin de rapprocher l'administration des populations. En culture, c'est parti depuis le 30 août dernier, les inscriptions pour la 6e édition du concours Je slam pour ma patrie. Au cours d'une conférence de presse organisée vendredi dernier à Ouagadougou, le comité d'organisation du concours informe que les inscriptions se poursuivent jusqu'au 20 septembre. Elles se font au ministère de la Culture, dans les directions générales dans les directions régionales de la culture et par mail à l'adresse jeslampourmapatrie@gmail.com. Au Brésil, le parti de Lula ne veut rien lâcher. L'ancien président est disqualifié pour la présidentielle d'octobre prochain et une bonne partie du pays crie à l'injustice. Le tribunal supérieur électoral a invalidé la candidature de l'ex-président, condamné à 12 ans de prison pour corruption. Le tribunal a donné 10 jours au Parti des travailleurs pour trouver un remplaçant à Lula, mais son parti entend saisir la Cour suprême pour que Lula puisse se présenter à la présidentielle. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la télévision de Burkina.